c'est à un autre triste côté que la police nationale d'Haïti perdu inspecteur de police Réginal Lalo, 45 ans seulement, qui était fait partie 14e promotion PNH là, et côté que l'inspecteur de police dans lui-même était affecté dans le commissariat de la Croix des Bouquets et inspecteur a été habité dans Millet. Et selon témoin, il était aux environs midi, midi 30, côté que un groupe bandit armé à bord d'un zoïcain de couleur noire, entré dans l'église Assemblée des Dieux, côté que l'inspecteur de police a été persévéré. Il est entré l'église là, il a tué l'inspecteur A, il a traîné Koa, il a la Koa, il a mis Koa dans la machine zoïcain de couleur noire pour le Vinavel. Et selon témoin encore, culte là est fini et l'inspecteur a été dans l'église là pour planifier d'autres activités parce que porte machine inspecteur a été en l'ouvrir pour l'aller et côté que bandillo arrivé aller avec véhicule inspecteur qui c'est un Nissan Xterra de couleur bleue numéro plaque c'est BP80818 et côté que il est arrivé abandonner véhicule ça dans zone école nationale qui trouvait la Mirière et côté que la police arrivé récupérer véhicule là pendant que bandi ça a posé ça ça dans l'église là gagne un monde qui était campé devant l'église là côté que bandi a tiré en direction de Mounsa malheureusement Mounsa a tué et suite à ça ça s'est passé dans l'église là la police rapidement au niveau quoi des bouquets mené opération dans toute zone là et côté que gagne Henri Exaïus et qui continue les 5 capes et qui arrivé blessé mortellement suite à un échange de tir avec la police. Monsieur s'est allié un Dominicain qui est le Choupi, qui lui-même fait partie 400 Maozo. Pour le moment, il y a plusieurs informations qui viennent jeune nous que la traité au niveau de DDO. À Banzisayo qui posait Zaxa sous inspecteur de police Réginal Lalo. Suite à une opération conjointe de plusieurs unités dans PNH là, et menée dans sa vanne carrée le 23 juillet 2022, côté que la police démantelait un réseau de kidnappés qui impliquait dans l'enlèvement et séquestration d'une jeune dame le 17 juillet 2022, côté que la police est arrivée à arrêter 5 personnes parmi eux, une femme, qui c'est Étienne Wisley Libounet d'Or Ongan, qui continue à les Ongan, Gisno Sanon, Julien Clairvoyant, Marie-Louise Joseph, qui vont l'autre nom qui est Gerlin, qui lui-même a une mission pour veiller otage là. Bandio maltraité, yo torturé jeune dame ça qui yo kidnappé hein, et yo fait vidéo voyé par parents pour yo exiger yo rançon et vidéo ça li en circulation sur réseaux sociaux. Le 22 juillet 2022, la police a arrêté Wilson Blanc, 21 ans, et qui, selon toute information que nous avons, a fait partie de bande armée vite l'homme. Non, l'arrestation s'est faite dans une zone côté Tizo, ainsi connu, habité, et il y a plusieurs matériels que la police a arrivé confisquer, dont 2 véhicules Toyota et 2 fusils. 2 gilets par balle, plusieurs munitions et la police a recherché activement dans 4 dossiers ça, Jonas Joseph qui est un nom que les Tissot ainsi connu qui gagne 30 ans. Dans 4 dossiers trafic illicite d'armes et munitions, n'importe de paix, DCPJ BAF a continué auditionner Maître Robinson Pierre Louis pour implication présumée. Également, dans 4 dossiers trafic illicite d'armes et munitions dans le douane Port-au-Prince, et la police DCPJ a continué mener audition à Moun Kultarité pour implication présumée, yo, qui c'est Gina Rolls, l'OVNI Jean-Louis, et dans sa lui-même qui était arrêté le 21 juillet 2022.
suite en filature. Dernier saisie qui fait là, c'est jeudi 21 juillet 2022, dans l'aéroport de paix, côté que il y a 7 âmes, dont 4 fusils de calibre 12, 434 cartouches qui arrivent saisies dans les douanes et port de paix. Et n'a dit que la police nationale encore déterminée pour que les combattent et pour que les mettent bien en colère tout le monde qui est impliqué dans le trafic ici des âmes, admission et tout le parti. Voilà. Voilà. Et porte-voix la police pays d'Haïti, Gary Desrosiers. Pour les amis qui en bas live, yo, qui dit au pas attendre qu'il est pour m'arriver sous dossier, mettre Pierre Louis. Hein? Donc, bon, patientez, je vais arriver sous lui, mais je ne vais pas commenter. Première, et une raison qui fait que je ne vais pas commenter, c'est que je ne vais pas gagner fond, contenu. Donc, je ne vais pas chiter sous forme non seulement. Bakal critiquer forme nan sans pas gagner fond. Faut que nous t'ajoine avec enquêteur de CPJ. Faut que nous t'connait dans audition qui ça était gain avant nan main ou comme élément qui genre de dénonciation qui t'est faite parce que des fois nous agit avec émotion. Nous qu'on entraver travail enquêteur yo. Nous avons entravé le travail de la justice également. Et puis même nous avons agi avec émotion dans la cour de défense sans réserve dans tout, des fois, nous faisons plus tort que bien dans les gens qui ont fait défense. Donc moi, je pense que faut que nous moins impulsifs, moins émotionnels, faut nous réagir un petit peu moins à la va-vite. Et certaines fois, nous réagissons sans réfléchir. Et puis, il faut que nous dissocions mon yotou. Et il y a des principes qui caractérisent le fonctionnement avocat. Par exemple, il y a dit que domicile avocat inviolable. Mais le fait que vous dit domicile avocat inviolable, ça ne veut pas dire pour avocat chita vend boz, vend marijuana, vend drogue, dans piscine bolakaili parce que domicile li inviolable. Faut avocat a tout par les poignards li, dans discussion en voisin qui tape droit avec li, les poignards de li. Sauvé dans la mer. Expliquez-nous non, qui ça en plus qui gagne comme information, moun sa yo côté ou tape vive, qui côté ou tape pralé. Est-ce qu'il y a une arrestation qui fait? Parce que hier, dans le moment où tu parles à voler, tu parles de moun qui était organisé et voyage là, qui ont été arrêté, ou m'a dit pour arrêter. Bon, Jean, que vous avez annoncé dans le journal, hier matin, la communauté haïtienne, Bahamas, levé avec un moment qui est vraiment attristé. Les caporales apprennent et par voix et autorité bahaméenne, gagner un bâtiment qui a quitté la zone ouest B, les habitants ouest la ville, pour aller aux États-Unis, plus particulièrement dans la Floride. Et puis, 7 kilomètres de distance ça dans la mer qui était dans la mer qui était vraiment enragé et bien bâtiment ça il t'a pas coulé et bien d'après yon note officielle des premier ministre bureau premier ministre Bahamas qui c'est honorable Davis t'a metté dehors hier matin il dit que bâtiment ça il t'a gagné 30 pieds de longueur et il t'a porté environ 60 citoyens. Eh bien, autorité, la police, yo, autorité, défense, force, ça c'est non, la meilleure, t'es mobilisé pour te voir comment ils étaient capables de sauver les citoyens. Mais malheureusement, nous arrivons, il y a 17 personnes qui ont perdu la vie parmi eux, les adolescents. Nous avons 25 qui sont arrivés interceptés, les gens qui sont vivants. Dans 25 personnes, il y a 22 là-dedans qui ont été trouvés dans le centre de détention. Et l'autre 3 moun yo, yo même yo te trouvé yo sous cabane l'hôpital parce que yo te bre en pile l'eau, yo te fait diligence pour voir comment yo te capable bayo la vie. Et d'après ministre santé a, gen yon la dan yo qui te venu reprendre li, mais l'autre de yo te toujours sous cabane l'hôpital. Dans moment n'a parlé a, autorité bahaméenne yo lancé yon investigation
pour yo connait qui moun qui peut organiser voyage ça parce que deux marins qui étaient marins et mais même yo rivé tombé autour yo rivé prend yo et ça qui grave dans tout ça qui n'a décrivé juste même minute côté n'a parlé à là nous pas gagné un représentant gouvernement haïtien qui capable bon détail sur ça qui a passé là. Tandis que toute autorité baraméenne, voire ministre immigration, qui c'est honorable qui belle, depuis hier matin, campé sur deux pieds, pour assurer que non seulement les gens qui vivent, pour ne pas les gens qui continuent à mourir là-dedans, mais moi tout, pour traiter avec dignité, pour voir dans le monde côté parent, pour le bien, pour le plan, mais il y a mais voyez ça, il faut que je dise que, je vais garder les gens, je vais garder à terre. C'est pas moun qui t'a doué aller entreprendre dans bagage ça parce que c'est en pile là dans une zone illégale et que c'est pas moun qui a problème ensemble avec l'immigration mais dégoût que y a joine bon côté autorité ou là yo coucher passeport ou là coucher l'autre document yo pas ca yo permet que yo même y a une situation difficile ça y vient marier avec toute l'autre bagage yo te gagne une crise stress la caillou et puis du comme ça passer en nous laguer. Parce que si nous pas la gueule, demain si nous n'avons pas face à l'illégalité, et là ça c'est des portes de voile, des portes de nous, des portes de boulot. Donc Jean-Renold, ça veut dire que ça c'est les gens qui tapent vivre Bahamas. Oui, ils tapent vivre Bahamas. Donc ils tapent quitter Bahamas pour aller aux États-Unis. Dans le moment. Ils tapent aller aux États-Unis. Des petites dames qui ont 14 ans, qui fait dans même Bahamas. Même dit fait dans même Bahamas, ça veut dire qu'ils tapent vivre dans même la cour avec maman. L'école, t'as tout le temps dans l'école Bahamas. On peut garder pour garder des magasins qui couchent sous l'eau. Qui couchent sous l'eau. Magasins. Qui destination, Batoua? Hello? Oui, oui. Côté Batoua, c'est États-Unis où tu as parlé, c'est ça? Oui, il t'a parlé à Miami. Floride. Ok. Miami, t'a parlé. Oui. Nous perdons du monde. D'accord. Donc, Kounia et Naptan, probablement, c'est Bahamas, c'est funérailles qui ont fait. Parce que. Oui, parce qu'actuellement, tout le monde est dans le morgue et l'État est dans Bahamas. C'est pour ça que je suis dans l'hôpital. Est-ce que l'autorité, Madame Yenyo, communique nous bien l'identité de Mounsayo est disponible? Hello? Oui, Père Nalmando, est-ce que l'identité de Mounsayo est disponible? Ça veut dire, est-ce que vous avez identifié chaque cadavre pour connaître nos yo? Bon, et il y a quelques parents, comment vous arrivez à connaître que ces gens parlent, c'est leur passé dans la zone et puis vous savez que c'est maintenant perdu. C'est maintenant perdu avec petit, mais jusqu'à présent, quand je parle de ma volant, pas de aucune donnée officielle, bon côté et autorité, représentant l'autorité haïtienne. D'ailleurs, tout, depuis hier, il y a pris les chargés d'affaires, pas de monde qui a venu dans le téléphone. Ça veut dire que pas de aucune donnée officielle. Que ni moi ni vous ne sommes capables de continuer pour nous dire un tel, c'est un tel qui se tient de mon côté, représentant l'autorité haïtienne. D'accord. Ça veut dire que représentation haïtienne dans Bahamas est passée inaperçue. C'est presque pas existé. Non, si c'est pour ça, si nous avons suivi, nous avons bien longtemps dénoncé des rives qui viennent dans l'ambassade. D'ailleurs, l'ambassade, c'est M. Arel Jean-Baptiste Cabriel. Comme chef cabinet, mis avec les Angela. Elle est bien contrôlée. Elle est bien contrôlée. Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas de représentants ici. Nous disons merci aux autorités arméniennes qui comprennent qui sacré les humains. Ils ont même campé pour nous traiter avec nous. Nous avons même moi. Nous avons comment ils mettaient, ils ont ouvert, ils ont tapé blé, et puis après ça, pour nous aligner, l'un après l'autre, et puis pour nous faire appel avec machine. Moi, pour venir toi, pour mener au nom. Ok? D'accord. Vous dites, mais si vous n'êtes pas gagné là, mais si vous n'êtes pas gagné là, c'est une catastrophe. Catastrophe, voilà. Mais merci un peu, le Jean-Renold Altaïus, qui t'a parlé avec nous depuis Bahamas. Nous, tu as parlé avec lui suite avec la tragédie, ça, à côté 17 compatriotes, nous, mourir noyés dans la mer. Tu es à bord en bateau qui t'a pris direction Miami et gagné en 20 lots qui est arrivé sauvé. Et il faut que nous ne disions pas seulement Bahamas, et bien, pile l'autre côté, représentation diplomatique, nous, c'est pour la forme. Yo y a l'autre bois, il y a des pièces on y a besoin, yo bay kòb yo mande aller pour aller chercher yo
sont véritables, tête chargée. Donc, ce bail est terrible. Donc, il faut que nous levions pied nous. Il y a un pile de dénonciation de corruption, tout. Et il y a fait tout. Il y a dénoncé Mounsayo. Ce bail est grave. Et comme ça, tout. Il y a Mounsayo tout qui plaint tout. En pile, guerrier. Il y a plusieurs mois. L'État n'a pas jamais demandé qui ça au pot de pouvoir. Il y a mesdames qui sont obligées pour diable. Bouche la fan, il y a Bill. Il y a mesdames qui gagnent et tout. Il n'y a pas besoin de dire que la clé, il y a cherché pain. Donc, son image vraiment dédaignant pour la diplomatie noire. Mm-hmm. Léon, on a travaillé, on représente un consulat. Et consulat, guerrier, c'est drapeau pays, c'est image pays. Pour les gens qui ont vu l'Angélis, gentille demoiselle, a obligé à le pépiné. Pour chercher pain, son bail est terrible. Donc, quel que soit Jean Viréli, donc situation, il n'a pas fait honneur nous dans la représentation. Merci avec Chout, cousin moi, Bolo, Wilfried, Brentwood, dans New York, qui a suivi le journal là sérieusement, qui dit non, le journal là pété plafond, et chaque matin, hein, Edouard Pierre qui a fait une remarque là, 7-0-0, on a 19 449 sous page YouTube l'enseignement. Nous, c'est Caraïbes FM, nous, c'est journal tout pays. Hein. Charé chien à pan, et tremblé, j'aime là. Kiki Chouel. Administration Centre Ambulancier National CAN informé autorité judiciaire yo gen yon ambulance plaque SE03985 qui nan men bandi yo individu exam volo 20 juillet passé a ça t'est passé sur route Croix-des-Bouquets ambulance mobile 211 plaque SE03985 Centre Ambulancier National, la chauffeur yoté allé à bandi yoté allé à chauffeur. Donc yo mandé tout à n'importe monde qui t'a capable information sous côté ambulance ça y est capable communiquer information ça yo à Centre Ambulancier National. Mais nous apprendre finalement bandi yo t'a libéré chauffeur mais yo kembe ambulance. Depuis vendredi nous allons n'abé plaque la police n'abé ambulance tout. Bonjour, j'ai le fait pour nous fou, pour nous fou. Voici papa ici, pas fou, pas pile, pas magone. Faut chercher qu'on a qui pièce nous fait tout. Kounya yo ba ou on douzaine plaque la police l'op marche dans la rue, chaque police yo k ap vinn pour gen temps garder. Est-ce que ça pas dans liste 12 là? Kounya gen ambulance tout pour observer. Et puis ça compte cartouche madame Makassa en bas. Puis bah madame Makassa. Montre au groupe là. On cartouche tu une sur céramique la Kailia. On cartouche qui veut dire frère. Et voilà, puis bah nous là. Cartouche avait dit frère. L'on coupe aussi madame Zaté dans salon là. Madame n'a pas dans nous. Puis bah nous. Ouais ouais. Et puis qu'on y a, on a vu cartouche cap sautant les cap bagage, on a vu petit avion cap voler tant qu'au signal pour pas tomber sous tête. Qu'on y a gain prouvé 12 plaques pour si c'est pas une. La police dit, la police gain melon. Mais assez de melon pour dire nous pour tirer et tout. Dis bon nous 12 pour tirer. Bon, on est qui dans la rue, on machine à venir sur vous, qui marque la police, mais balle là. Mais oui, dans le salon, madame, non? Ou la paix, regardez l'image là, non? On va pas aller devant, balle là tombée là, puis bah non là. Gros calibre, là, la terre là, la terre là, dans la céramique là. Donc, ça veut dire, à côté de tout l'autre bagaille, on va suivre les graines figues qui vendent $20, on va suivre les vieilles graines zé. Yo pesé coup pour là yo fait le pond ben mettons branche cou dans Bastingal fait le pour ou même c'est li wap suivi wap acheter vieux grenzik monter bien cher wap ve grenzabo kak vend $20 wap ve timami diri a cognac nan $20 wap ve on sachet spaghetti kounya la ki $20 nan market kounya ou gen 12